Eh bien, j'ai connu Biocol Process grâce à notre chef Christian Didier qui nous l'a présenté par l'intermédiaire de la personne qui représentait ce produit dans la région. Il est vrai qu'en chocolaterie, c'est très important de réguler l'humidité dans tous les domaines de l'alimentation, mais essentiellement en chocolat, parce que l'ennemi principal du chocolat, c'est l'humidité, justement, l'humidité et la chaleur. Et pour avoir une bonne conservation des chocolats sur du long terme, c'est important d'avoir une hygrométrie constante. Et ce procédé, Biocol Process, correspondait tout à fait à cette demande. Alors à l'école, ici au Sifan Mercuré, nous avons depuis très peu de temps une vitrine, une seule vitrine, parce que nous avons une petite production, ce n'est même pas une production, c'est une fabrication. L'hygrométrie n'était pas réglable. Donc grâce à ce procédé, à Biocol Process, c'est facile de pouvoir diminuer l'humidité qu'il y a à l'intérieur de la vitrine en elle-même, ou même lorsque l'on ouvre ou que l'on ferme les portes plusieurs fois, il y a toujours de l'air ambiant qui est chargé d'humidité, comme c'est un air réfrigéré, et ça apporte de l'humidité. Effectivement, on a constaté des améliorations avec des produits. Là, on a un exemple d'un moulin à café. Il est garni de macarons, donc qui sont des gâteaux secs avec une ganache, et ils ont été fabriqués il y a à peu près un mois. Et je vous proposerai de les déguster tout à l'heure. Vous allez voir que ça n'a absolument pas bougé, alors que normalement un macaron en une semaine, il est altéré, il n'est plus tellement consommable. Donc effectivement, on s'est aperçu d'une réelle augmentation de la durée de vie des produits sans altérer la qualité. Ah, c'est une économie sur tous les plans au niveau coût, parce que ça limite les coûts de production. On peut se permettre de produire davantage du fait qu'on conserve mieux. On peut stocker en un seul endroit, dans une vitrine par exemple, qui est équipée de ces fameuses cassettes. Donc on réduit la main-d'œuvre, on réduit les coûts de production et forcément c'est financièrement intéressant. Moi qui suis formateur en école, je conseille à ceux qui fabriquent du chocolat, mais même pas que du chocolat, tous les produits secs, de se renseigner sur ce produit et de l'essayer pour pouvoir l'apprécier et le juger. Mais je le conseillerais aussi à tous les pâtissiers de boutique, les entreprises, que ce soit PME ou PMI, parce que c'est vraiment un produit intéressant et qui révolutionne, c'est peut-être un grand mot, mais enfin qui apporte en tout cas beaucoup, beaucoup au souci principal de ces fameux chocolatiers. Encore une fois, je reviens au chocolat parce que je connais les problèmes des chocolatiers, c'est la conservation et l'humidité. Et ça solutionne beaucoup de ces problèmes-là. Voilà. Entièrement satisfait de Biocol Process.